Dans cette étude de Fernando Sor, on voit que les notes font tous partie d'un arpège d'accord. Donc là, dans ce cas-là, si mineur. Et ce n'est pas forcément une mélodie avec accompagnement, mais c'est une mélodie qui se dégage à travers les différentes formes d'arpèges de l'accord. Donc c'est un peu différent. On voit quand on joue. Surtout l'accord. Mais à partir du moment qu'on va accentuer certaines notes seulement dans cet arpège, il y a une mélodie qui va se dégager. Et là, donc, Sor, il fait appel à des différents doigts de la main droite. Évidemment, la tentation est de buter certains doigts pour faire sortir certaines notes. Mais moi, j'ai préféré simplement de différencier les attaques entre le majeur et l'index, de la sorte que toutes les notes qui sont jouées avec le majeur se dégagent et font partie de la mélodie, sans pourtant que ces notes-là coupent la résonance des autres notes par le fait qu'on les bute. Donc, on continue tout le temps à entendre la résonance de l'accord de si mineur, notamment par cette attaque que j'emprunte un petit peu là de les méthodes de Sor même, c'est-à-dire les doigts ne se mettent pas dans la position qu'on voit plutôt classique chez Tarega, chez toute l'école de guitare du XXe siècle, mais plutôt le doigt qui se met face au pouce, de manière que les doigts qui jouent et le pouce se mettent à peu près dans la même ligne. Ça veut dire qu'ils ont tous le même effet d'attaque sur la corde. Et le majeur, en fait, quand je le joue, j'essaye de lui donner une ampleur qui est comparable à l'attaque butée. Vous entendez que cette attaque-là, elle est particulièrement résonante et ce n'est pas le même son que si on pince habituellement. Donc j'ai cette attaque-là qui se combine avec l'attaque du pouce, et à ce moment-là, le pouce, si on a envie, si on a besoin d'une basse très longue, le pouce, il peut faire une attaque butée qui donne beaucoup de longueur à la basse. Donc le début, je fais pouce majeur, l'index qui est discret, le pouce qui prend la note sur la deuxième temps, le majeur qui revient, qui va vers le fa dièse, ok? Et ensuite, l'accord change. Donc là, ce sont les demi qui ressortent. On revient à si mineur. Au départ, ouais, qui n'est pas une barré typiquement sur cinq cordes avec le doigt tout à plat, c'est le doigt qui se pose sur le fa et qui se pose sur le fa dièse, sur le si pardon, et ensuite sur le fa dièse, ouais. Mais en fait, les cordes qui sont entre les deux ces deux notes là, elles n'ont pas d'appui. Donc le doigt, il appuie avec un petit à deux endroits différents, le bas du doigt et le haut du doigt. Et j'appuie ça. Donc ça me donne un accord de si mineur en barré avec un minimum d'effort, si je dois. En plaquant ça, je commence à crisper et ça fatigue très vite. Ok, donc là on arrive à la mesure. À la mesure 7. Là je prends pas le premier doigt pour le mi dièse, mais je prends le 2. Enchaîner avec le doigt embarré à la deuxième case. Donc un tel enchaînement est mieux
mieux que ça, parce que ce mouvement-là, il est brusque et grand et risque de perturber la continuité du morceau. Donc j'y vais là. Ensuite, j'appuie Fa dièse, Do dièse avec le bas du doigt. Ça, c'est une question de préférence. Vous pouvez parfaitement prendre le barré comme vous voulez. Mais on a besoin de Fa dièse, Do dièse en barré. On revient sur Si mineur, Mi. Ensuite, vient la corde. Donc le Sol avec le troisième doigt, quatrième corde. Aussi, sort qui finit pouce index, pouce index, pouce. On continue. Troisième phrase. Là, il se passe pas grand chose, donc je fais pas grand chose. Après, là on est dans un peu plus d'inspiration, on entend l'accord de 6 septième, il va à Mi mineur, La septième qui va à Ré. Donc là je prends l'accord de Ré, contrairement à ce qui est préconisé dans beaucoup de méthodes avec le Ré à vide. Complet. Simplement parce que ça me pose pas trop de problème de le faire. Si on s'esquisse devant, esquive devant déjà de tels problèmes, on va pas aller très loin dans l'interprétation de la musique romantique. Parce que là, on entend l'accord pleinement. Pour poser un tel accord, j'ai dit, commence à poser Ré et Fa, ouais, et cherche à poser la main de manière détendue, c'est-à-dire à ce moment-là, le pouce, il prend la position un petit peu plus montée, ouais, de manière de détendre le poignet, et il va aider légèrement, vous le voyez derrière le manche, vers le petit doigt. Donc à ce moment-là, ma main est comme ça, il suffit ensuite d'articuler, de plier le premier doigt pour obtenir cet accord de Ré majeur sans souci. Et donc si on vient de... Okay. Sinon l'alternatif... bien aussi parce que c'est toujours propre, mais on a donc Ré et Fa sur la même corde au lieu de la résonance des intervalles. Ok, on continue. Et là vient le moment très important, on a l'accord de sixte napolitaine, donc c'est l'accord, le premier renversement d'un accord majeur. On a Mi, Sol, Do. Et l'accord de Do majeur, dans la tonalité de Si mineur, c'est l'accord qui se construit sur le deuxième degré de la gamme. Donc, avec cet accord, on fait une cadence qui est très colorée, qui fait Mi majeur, donc Do majeur. Cette succession d'accords
Si vous reconnaissez cette couleur, cette ambiance, dans beaucoup de musique, on va le reconnaître et on dit, tiens, accord sixte napolitaine. Ça, c'est son nom. On fait la reprise. Comme le début, donc là, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment c'est le début qui revient. Jusqu'au moment où on a de nouveau ce mi dièse. OK. Et là, je fais un doigté qui est un peu contemporain, on peut dire, parce que je passe le deuxième doigt par-dessus les autres doigts pour avoir un mi bécard très solide, qui est le mi bécard dans l'accord de fa dièse, et qui permet là d'avoir vraiment un très bon enchaînement. Je vais vers l'accord suivant, Do septième. L'accord d'après, Do septième qui va à Fa dièse septième. Et ensuite avec une cadence qu'on dit plagale, c'est pas encore Si mineur qui arrive, mais c'est Fa dièse. Ah, un accord surprise, donc c'est-à-dire une cadence plagale. Et ensuite, on va finir vraiment donc de nouveau avec un accord de septième et si mineur qui vient là. Donc surtout, pour la dernière ligne, c'est très exigeant par rapport au barré. Donc vraiment faites un effort d'être précis dans le doigté. Et comme ça, on y arrive. Si on utilise toute sa force dès le premier barré, on va être très vite tétanisé et ça va être galère. OK, bon courage !